Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle capsule des Oui, c'est possible, où j'ai l'immense honneur d'avoir à mes côtés Virginie Chastel pour son Oui, c'est possible. Alors je vais vous la raconter, elle se racontera mieux après en détail. Virginie a commencé sa vie professionnelle dans l'enseignement, professeure des écoles et directrice d'école pendant 15 ans avec passion, jusqu'à frôler le burn-out. Une tentative de reconversion dans l'immobilier qui l'a trop éloignée de ce qu'elle est vraiment. Alors, elle reprend du service, par choix, dans l'enseignement spécialisé, tout en réalisant son projet de cœur, accompagner les gens à harmoniser leurs relations en développant le concept d'écologie relationnelle. La première étape est le podcast Osmose. Harmonisons nos relations. J'ai beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés dans cette capsule où je vais à la rencontre de personnes qui ont osé. Coucou Virginie. C'est moi qui ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance que tu m'invites. Comment vas-tu? Mais écoute, je vais très bien, un peu chaudement parce qu'au moment où on enregistre ce oui, c'est possible, c'est un peu la canicule. La grosse canicule, mais à part ça, écoute, je vais très bien. C'est moi vraiment qui te remercie de m'inviter dans tes Oui, c'est possible. C'est moi qui suis honorée, vraiment. C'est une belle co-création. Moi, j'adore co-créer parce qu'on est tous, comme je dis toujours, on est tous interdépendants et on peut apporter aux autres et on peut faire plein de choses très belles pour remettre ce monde dans une énergie haute. Et tu en fais partie, en tout cas. Alors, c'est quoi ton oui, c'est possible? Raconte-nous-le. Oui. Ben, moi, mon oui, c'est possible, c'est de pouvoir choisir une vie qui nous ressemble, une vie qui nous inspire. Et ça passe aussi par la vie professionnelle, finalement. Hein, c'est quand même une grosse partie de notre vie, la vie professionnelle. Donc moi, sur la vie personnelle, il n'y avait pas de souci. J'avais fait mon oui, c'est possible sur ma vie personnelle. Et sur ma vie professionnelle, ben, je pensais l'avoir fait puisque j'avais choisi un métier, alors enseignante, professeur des écoles, que j'adore, hein, ce métier. Je trouve que c'est un métier passionnant, mais au moment où je l'ai choisi, au moment où j'ai passé le concours, j'avais quand même dans cette idée de choisir un métier qui m'apportait aussi la sécurité de l'emploi, la sécurité, voilà, le fait de pouvoir aussi imaginer m'occuper de mes enfants. À l'époque, j'avais pas d'enfants. Quand on est enseignant, c'est vrai qu'on a les vacances scolaires, on a un emploi du temps qui correspond un peu à celui de ses enfants. Alors, même si je n'avais pas choisi ce métier pour les vacances scolaires, hein, parce que quand on le choisit pour les vacances scolaires, on fait une grosse, grosse, grosse erreur. Parce qu'il y a tellement d'autres, il y a tellement d'autres aspects à côté qui peuvent être difficiles qu'il ne faut pas choisir ce métier. S'il y a des gens qui sont en train de passer le concours d'enseignant, ne choisissez pas ce métier pour les vacances scolaires, parce que moi, je travaillais la moitié de mes vacances scolaires, hein, de toute façon, pour préparer mes cours, mais j'avais choisi ce métier en me disant je veux accompagner, je veux être proche des gens, et donc au départ c'était des enfants, mais j'avais déjà dans l'idée quand j'ai passé le concours que je ne ferais pas ce métier-là toute ma vie, parce que je ne m'imaginais pas à 60 ans devant des enfants. Je me suis dit c'est un métier que je veux faire une partie de ma vie et je ferai autre chose après. Sauf que autre chose après, pour moi, c'était devenir formatrice d'enseignants. Je le voyais comme ça, en fait. Pour moi, c'était un peu tracé. Et donc, j'ai commencé par être directrice d'école, direct. Alors là aussi, c'était oui, c'est possible. Mais oui, c'est possible, en fait. Donc, moi, j'habite la région bordelaise. Je suis originaire de Charente. Je suis née à Angoulême, mais je suis venue faire mes études à Bordeaux. Et quand j'ai passé mon concours d'enseignant, en fait, je voulais pas aller au fin fond de la Gironde, parce que généralement, quand on démarre, on se retrouve loin de Bordeaux. J'avais envie de rester dans, à l'époque, on n'appelait pas ça la métropole, on appelait ça la CUB, la communauté urbaine de Bordeaux. Ça remonte à il y a 2003, donc ça remonte déjà il y a 17 ans. Et donc, il fallait que je choisisse un poste, en fait, pour rester sur Bordeaux, un poste que les autres ne voulaient pas, en fait, au mouvement. D'accord.
Donc, il y avait deux choix. C'était soit la direction d'école, soit l'enseignement spécialisé. Et moi, je suis issue d'une famille d'éducateurs spécialisés. Enfin, mon père est éducateur spécialisé. Ma mère a été comptable, mais elle travaille économe, mais elle travaillait dans un institut médico-éducatif avec des enfants déficients mentaux. Et à ce moment-là, je dis non, moi, l'enseignement spécialisé, ce n'est pas pour moi, je veux l'enseignement classique. Donc, j'ai pris la direction d'école. Et j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée dans une école juste à côté de Bordeaux, enfin dans la limite de Bordeaux. Et ça, c'était mon premier oui, c'est possible. Donc, j'ai été directrice d'école, je suis restée sur Bordeaux. Et j'ai aussi rencontré mon conjoint dans ce contexte-là. Donc oui, c'est possible. Enfin, voilà, il y a eu plein de oui, c'est possible qui se sont enchaînés. Au bout d'un certain nombre d'années, j'étais lassée de la direction d'école déjà parce que quand on est directeur d'école, déjà, ce que les parents ne savent pas, c'est qu'on n'est pas le supérieur hiérarchique. Enfin, ce que les parents ne savent pas, ce que beaucoup de parents ne savent pas, c'est qu'un directeur d'école n'est pas le supérieur hiérarchique de ses collègues. Il est un relais administratif, il est censé animer l'équipe, ce que j'essaie de faire au mieux, mais à un moment donné... J'étais lassée parce que je n'avais pas forcément en face le retour que j'attendais de mes collègues. Là aussi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui bosse énormément, qui a toujours 1000 projets en tête. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas que tout le monde n'était pas forcément comme moi. Donc, ça a apporté des fois un peu de friction avec certains collègues. Bon, aussi des frictions aussi avec certains collègues qui était en faute professionnelle. Hein. Donc, forcément, quand on est directeur d'école, qu'on essaie de remettre un peu de cadre là-dedans, des fois, c'est pas simple. Et puis, je suis partie faire en 2013. Donc, ça faisait déjà 10 ans que j'étais enseignante, j'étais directrice d'école. Je suis partie faire un master de formateur à l'UFM en me disant, voilà, ça va me permettre d'évoluer. Dans le milieu, et puis ça s'est pas fait à ce moment-là. Et j'ai arrêté la direction d'école parce que vraiment ça faisait 10 ans et j'étais fatiguée de pas pouvoir en fait manager comme j'aurais voulu. Alors à tort ou à raison, hein, je vais pas rentrer dans les détails lors de cette interview. Mais j'ai arrêté la direction d'école. Je suis arrivée sur une école où j'étais pas directrice, où j'ai monté des projets avec une collègue. J'étais en maternelle, d'inspiration Montessori, des ateliers d'inspiration Montessori. Et puis bon, ça a plus ou moins plu. En tout cas, les parents adoraient, les enfants aussi. Et puis j'ai frôlé le burn-out. Voilà. Donc ce que tu disais dans l'introduction, je peux pas dire que j'ai fait un burn-out, alors voilà, j'ai pas ça à mon palmarès, j'ai pas le burn-out. J'ai un de mes mentors, François Lemay, que tu connais, je suppose, un Québécois, qui dit « j'ai eu la chance de faire un burn-out dans ma vie », alors moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais honnêtement… Tu l'as frôlé quand même, tu étais pas loin. C'était pas très sympa quand même, hein. Je l'ai frôlé et le truc qu'il y a tout à l'heure, avant l'enregistrement, on parlait d'écouter son corps et tout ça. À ce moment-là, je l'ai écouté parce que j'ai senti les symptômes arriver. J'ai senti les vertiges, le fait de plus tenir debout, le fait d'être extrêmement fatiguée. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit « Écoutez, je vous arrête ». Autant de temps que vous voulez. Donc, je me suis arrêtée une semaine, j'ai repris, puis après, je me suis réarrêtée une semaine. Et puis, à un moment donné, il y avait un contexte trop compliqué dans l'école où j'étais. Je vivais des choses trop compliquées avec certaines personnes. Et là, je me suis dit, il faut que je sauve ma peau. Mais c'est vraiment les mots que j'utilisais. Il faut que je sauve ma peau. Parce que là. C'est très fort, là. Ah oui. C'est super fort. Il faut que je parte, sinon je vais, entre guillemets, je vais crever. Oui, ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vivais trop de choses compliquées, pas avec les enfants et pas avec les parents. Ça, je tiens vraiment à le dire parce que moi, j'ai toujours eu d'extrêmes bonnes relations avec les parents d'élèves et avec les enfants. Mais à ce moment-là, et pourtant, je considérais que je n'étais pas en tort, et je considère toujours que je n'étais pas en tort sur ce qui s'est passé, et je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, on en a parlé aussi avant l'interview.
Mais je me suis dit, soit je reste et je lutte pour prouver que je ne suis pas en tort, mais combien de temps ça va durer? Combien de temps? Un an, deux ans, un procès, je ne sais pas. Enfin, donc là, je décide à ce moment-là que je vais sauver ma peau et donc je pars, je quitte l'école. Bon, les parents d'élèves m'ont fait une fête surprise, enfin, un truc où ils m'ont écrit un cahier avec des tas de mots, certains collègues aussi. Enfin, bon, c'était hyper émouvant. Et je pars sur un poste, bah, à ce moment-là, je ne démissionne pas, hein, je n'ai pas les moyens de démissionner, je ne sais même pas quoi faire d'autre, donc je prends un poste de remplaçant, en fait. Je pars sur un poste de remplaçant pour souffler et pour me reconstruire et essayer d'y voir un peu plus clair. Honnêtement, je vais te dire, les trois premières semaines, je suis en dépression, quoi. C'est-à-dire que j'arrive dans une classe, c'est pas ma classe, c'est pas mon matériel, c'est pas mes élèves, c'est pas ma pédagogie. Je me trouve nulle, mais nulle de chez nulle, quoi. Je me dis, mais j'ai pas fait 14 ans d'enseignement pour enseigner comme ça. Enfin, voilà, je déprime vraiment. J'en parle à une amie qui était une ancienne maman d'élève. Elle me dit, écoute, Virginie, je sais comment tu es. Je suis sûre que ce que tu fais, de toute façon, c'est bien, c'est peut-être pas toi ce que tu as, c'est peut-être pas le top, mais en tout cas pour tes élèves, je suis sûre que tu es au top. Et au final, j'ai quand même des parents d'élèves de cette classe où j'ai remplacé pendant 6 mois, qui 6 mois après, je les revoyais, ils me disaient, Madame Chastel, vous êtes la meilleure enseignante que ma fille n'a jamais eue. Et j'étais là, non mais c'est pas possible. Alors que moi, je me trouvais nulle parce que c'était pas ma classe, j'avais pas pu m'y investir comme je voulais. Mais bon, tu vois aussi le niveau d'exigence que je me mettais. Et là, je me suis dit, bon, va falloir un peu mettre d'eau dans son vin. Va falloir abaisser aussi son niveau d'exigence, sinon je vais être tout le temps frustrée. Et là, en fait, le hasard des choses fait qu'une ancienne maman d'élève, alors tout tourne beaucoup autour des anciens parents d'élèves de cette première vie-là, en fait, d'enseignante, mais une ancienne maman d'élève qui travaille dans l'immobilier, à un moment donné, met sur Facebook une petite phrase qui à ce moment-là ressemble à rien, hein, qui, enfin, pour moi, à la rigueur, je ne sais même pas pourquoi je m'accroche sur cette phrase. Elle met, vous avez envie de bosser dans l'immobilier, vous rêvez d'être indépendant, contactez-moi. Et moi, l'indépendance, vraiment, à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin. J'en avais marre d'être dans un système où je pouvais pas être libre, en fait. Je me sentais comme dans une cage dorée. Souvent, les gens ont cette image de « Ah, mais t'es enseignante, c'est génial !» Je dis « Mais oui, c'est génial !» Toutes les croyances qu'on a sur les métiers, sur tous les métiers, sur les... Voilà, c'est plein de choses comme ça. C'est vrai que... Tant qu'on n'est pas dedans, alors oui, oui, c'est un métier formidable. Mais vraiment, et je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, on va en parler dans l'interview parce que j'y retourne. Mais oui, c'est un métier formidable. Mais à ce moment-là, j'y perdais ma liberté, en fait. Je ne me sentais pas libre. Je me sentais vraiment dans une cage dorée. Et cette maman d'élève, donc Anne-Charlotte, je réponds, je fais « Ah bon, c'est possible de se reconvertir dans l'immobilier ?» Mais à ce moment-là, j'y crois pas du tout. Enfin, je mets ça... Allez, j'y crois à 1%. Elle me répond, allez, quand même, bon, j'y crois à 1%. Elle me répond, appelle-moi. Donc, on s'appelle, il était 9h ou 10h du soir, je ne sais plus, on s'appelle. Et je lui dis, mais parle-moi de ton métier. Elle m'en avait déjà parlé, elle m'avait déjà fait changer un peu d'avis sur les agents immobiliers, que pour moi, c'était, hein, c'est comme les banquiers, les assurances. Voilà, c'est bien les croyances là qu'on a. Exactement, c'était les croyances que... C'est les croyances, en fait. C'était les croyances que j'avais, parce qu'aujourd'hui, je ne les ai plus. Enfin, en tout cas, pour moi, ça dépend de la personne, ça ne dépend pas du métier. Exactement. Et là, je lui dis, mais tu sais, moi, j'y connais rien dans l'immobilier. Et là, comme j'avais eu sa fille pendant un an et demi, parce qu'elle était arrivée en cours d'année de moyenne section et qu'elle arrivait d'une école où ça s'était mal passé, puis moi, sa fille, ben, je lui avais redonné le sourire, enfin, je lui avais redonné goût à plein de choses. Donc, elle me dit, écoute, je sais comment tu travailles, je sais toutes les valeurs que tu as. Et là, elle me fait mon bilan de compétences, en fait, quoi, voilà. À 10h du soir.
Et elle me dresse toutes les compétences que j'ai, on va dire les soft skills, quoi. Enfin, toutes les. Voilà, les fameux soft skills. Exactement, quoi. Donc, la bienveillance, l'écoute, la pédagogie, enfin, toutes les compétences qu'elle avait vues chez moi. Elle me dit, tout ça, tu vas pouvoir le transmettre dans un autre métier, par exemple dans l'immobilier. Et puis, tout ce que tu ne sais pas, elle me dit, je sais que tu es une bosseuse. Elle me dit, tout ça, tu vas l'apprendre. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à l'apprendre. Et puis ça commence. Alors, je te coupe un petit peu. Vas-y. Donc, tu fais de l'immobilier, tu t'y éclates, d'après ce que tu m'en as dit, c'était bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as quitté et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait après? Ouais. Ben là, à ce moment-là, donc, pendant que je suis remplaçante, je passe un diplôme dans l'immobilier, je demande ma disponibilité et je pars dans l'immobilier. Et la première année, ben, franchement, tout se passe bien, je m'éclate, les mandats arrivent, j'ai même pas à prospecter, et puis je veux développer à ce moment-là ce qu'on appelle le coaching immobilier. Alors qu'il existe beaucoup au Québec, ça fait 20 ans que ça existe chez eux, puis en France, ça commence à se développer, mais ça a un peu de mal, c'est d'aider les particuliers à vendre par eux-mêmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben déjà, je commence à bosser dans une société qui fait du coaching immobilier, mais qui, au bout de 4 mois, m'escroque, en fait. Ils rompent mon contrat. Je suis obligée de 4 mois de redémarrer à zéro, sans argent, parce que j'ai pris une disponibilité, donc pas d'argent, quand je suis sans sol. Et là, Anne-Charlotte, la copine, me dit, mais viens bosser dans mon réseau. Et là, effectivement, les mandats rentrent, ça se passe très bien. La première année, très bien. Et la deuxième année, j'ai plus de maison à vendre, il faut que je retourne chercher du mandat. Hein. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Cette deuxième année-là, j'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je peux pas aller prospecter. Je ne peux pas aller chercher du mandat. Parce qu'il y a des choses auxquelles je ne crois pas, en fait. Il y a des choses auxquelles voilà, ça ne me correspond pas. Et j'en pleure. Mais honnêtement, j'en pleure parce que je vois aussi qu'il y a de moins en moins d'argent sur le compte en banque, que l'argent qu'on avait de côté, il y en a de moins en moins. Et là, je dis à mon conjoint, j'y arrive pas. Et là, il me dit, mais ma grande, il va falloir te bouger les fesses un peu parce que c'est toi qui as voulu quand même partir là-dedans. Donc, il dit, moi, il n'y a pas de souci. Enfin, on était d'accord tous les deux hein, sur ma reconversion, tout ça. Il me dit, mais là, à un moment donné, tu comprends bien qu'on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc il faut... Voilà. Et lui, il n'avait pas un salaire qui permettait de compenser le mien, quoi. Enfin, et là, ben, je suis pas en dépression, mais je me dis, mais comment je vais faire? Honnêtement, je savais pas comment faire. Et là, se repassent des choses qui s'étaient passées au cours de la première année où j'avais commencé à rentrer dans le développement personnel. Donc, j'avais rencontré Martin Latulippe, donc un coach, mentor, conférencier québécois. Si vous ne le connaissez pas, allez faire un tour, martinlatulippe.ca, voilà. Et donc, je participais déjà à un programme de formation en ligne, développement personnel, qui s'appelle, alors ça n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelle « La meilleure année de votre vie ». Et je vis au mois de mai, donc mai de la fin de la première année de dispo, le live de « La meilleure année de votre vie » avec des… On est en quelle année, là, à peu près? Et là, c'est 2019, c'est il y a un an, en fait. Un an, d'accord. Mai 2019, je découvre Martin Latulippe en live à Paris, 3 jours, 2 jours de séminaire, un truc de dingue, voilà. Et après ça, j'enchaîne sur la deuxième année dans l'immobilier. Et là, va savoir pourquoi, j'y arrive plus. J'arrive plus à travailler, en fait. Donc, je ne rentre pas de mandat, je ne rentre pas de sous. Et deuxième événement qui commence à créer, tu vois, le déclencheur. Je participe à un atelier, donc je fais partie à ce moment-là de 2 réseaux business féminins, un qui s'appelle Bouge ta boîte, donc je suis boosteuse à ce moment-là, et un autre qui s'appelle les mampreneurs, maman entrepreneur. Et là, un coach vient nous faire un atelier qui s'appelle « Comment vivre de sa passion grâce à l'entrepreneuriat ». Alors moi, à ce moment-là, je dis ben, « c'est bien hein, ce qu'il dit, vivre de sa passion, mais passion, entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas des choses qui vont ensemble. Hein. Je n'ai pas été éduquée comme ça. J'ai été éduquée avec « choisis un métier qui te fait vivre et garde tes passions pour tes loisirs ». Et lui, il vient de dire le contraire. Et moi, je n'ai pas choisi l'immobilier par passion. J'ai choisi l'immobilier pour être indépendante, pour être libre et pour avoir un revenu. Mais au départ, je suis partie dans l'immobilier
C'est pas l'immobilier qui m'a attirée, c'était la liberté et l'indépendance. Et lui, il vient dire ça, il nous fait faire une méditation, un truc. Au début, je dis, il est bien gentil, mais moi, ça va pas marcher sur moi, son truc. Bon, finalement, sa méditation, elle marche. Je ressens. C'est énorme. Alors, mais je lui laisse le bénéfice du doute quand même. Tu vois, je suis sympa. Je lui foire pas son atelier. Voilà. Je suis pas la contre. Mais c'est-à-dire que, comme tu dis si bien, on nous a tellement éduqués à faire un métier pour vivre et tes passions, tu les mets en second plan. Si tu as le temps, parce que le boulot, ben, c'est le travail, labeur, tu es là, même s'il ne te plaît pas ton taf, tu dois y aller même en souffrance, parce que tant pis, on est en souffrance. Que, ben, c'est sûr que moi, j'étais dans le même cas que toi. Ça, c'est très clair, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis. Le travail. Alors, j'avais quand même réussi à choisir un premier métier, l'enseignement, qui était quand même une partie de passion, mais j'avais priorisé quand même le côté sécurité. Sécurité de l'emploi, pouvoir gérer ma famille, pouvoir gérer mes enfants. Et ça tombait bien parce que j'ai quand même un conjoint qui est pompier. Donc, heureusement, quand ils étaient petits, enfin, il a une grande fille qui a 17 ans, mais que j'ai connue, elle avait 3 ans, et on a un garçon de 10 ans. Donc, heureusement, finalement, que j'avais aussi ce métier-là parce que j'ai pu gérer aussi la famille, que lui, ben, quand il bossait la nuit ou qu'il bossait 12 heures, c'était compliqué. Donc, je regrette pas du tout d'avoir aussi choisi ce métier-là pour ça. Mais aujourd'hui, quand je vis cet atelier-là avec Thierry, donc, survivre de sa passion grâce à l'entrepreneuriat, au départ, je me suis dit, ouais, non, mais ça peut-être marcher sur lui, mais ça marchera pas sur moi. Bon. Et puis, je vis son atelier. Bon, il commence à semer des petites choses. Et synchronicité, hein, quelques mois après, non, même pas quelques mois, quelques semaines après, si tu veux, quand j'ai pris ma disponibilité de l'éducation nationale, on nous avait dit qu'on avait le droit à 3 ans. En Gironde, normalement, c'est 9 ans au national, mais en Gironde, c'était réduit à 3 ans. Mais c'était un an renouvelable une fois et renouvelable une deuxième fois. Donc, j'avais fait ma première année, j'avais eu ma première année de renouvellement, donc j'étais dans ma deuxième année. Et là, je vais chercher le formulaire pour faire ma demande de troisième année. Et là, je tombe sur la nouvelle circulaire qui dit que dorénavant, en Gironde, les disponibilités ne seront accordées que pour un an. Et là, je me dis, mais mince, comment je fais? Comment je fais? Parce que là, je ne peux pas avoir de nouvelles disponibilités. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit je démissionne, soit je reprends du service. À ce moment-là, honnêtement, je me dis, non, mais jamais j'y retournerai. J'y retournerai pas. Donc, je vais démissionner. Ouais, sauf que je ne rentrais pas d'argent. Donc, je me dis, c'est pas possible, quoi. Comment je vais faire? Comment je vais faire à tel point qu'on met même en pause notre prêt immobilier, quoi, sur la maison. Parce que à ce moment-là, j'y arrive plus. Je ne rentre plus rien. Puis même si je rentrais un mandat là, le temps de rentrer le mandat, de vendre la maison, d'avoir les sous, de toute façon, il se passe plus de 3 mois. Et là, je décide de me faire aider, par un coach. Et bien sûr, qui je prends? Le fameux coach qui nous a fait l'atelier, donc Thierry Redon. Et je lui envoie un message en décembre. Je lui dis, écoute, là, je me pose plein de questions. Après les fêtes, je vais avoir besoin que tu m'aides. Et après les fêtes, donc début janvier, je le contacte et je lui dis, voilà, la situation, elle est que j'ai fait une première reconversion dans l'immobilier. Je me suis... Alors, j'aime pas dire je me suis trompée, parce que je fais quand même un aparté là-dessus, sur oui, c'est possible de se tromper, et oui, ça peut nous emmener là où ça doit nous emmener. C'est pour ça que je veux vraiment que les gens entendent que je ne regrette pas du tout une seule seconde d'avoir fait cette première reconversion dans l'immobilier. Parce que quand j'ai fait cette reconversion dans l'immobilier, donc je me suis formée, j'ai passé un bachelor en immobilier par correspondance, et après je me suis formée au coaching immobilier. Et la coach qui me formait à ça, la formatrice, elle n'arrêtait pas de nous parler. Donc là, on était en novembre 2018. Elle n'arrêtait pas de nous parler de son coach, Martin Latulippe. Moi, je ne savais pas qui c'était. Et en janvier 2019, je vais voir qui est ce fameux Martin Latulippe. Et là, je tombe sous le charme. Alors, il est bel homme, mais ce n'est pas sous le charme du bel homme. Hein. Sous le charme de... On est d'accord, c'est vrai qu'il est bel homme, disons-le. Voilà, quand même. Que tu ne te fais pas
sous le charme du bel homme voilà. qu'il était. Mais je tombe sous le charme de l'énergie qu'il dégage, de tout ce qu'il dit. Et là, lui aussi, il commence à parler d'entrepreneuriat, de la passion. Donc, ça a mis du temps, ça a mis un an à germer dans ma tête. Mais tout le monde commençait à semer les graines. Mais si je ne fais pas cette reconversion dans l'immo... Alors, il y a des gens qui diront, oui, c'est le hasard, oui, il y en a... Oui, peu importe, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, si je ne fais pas cette reconversion dans l'immobilier, je ne rencontre pas Martin Latulipe, je ne m'ouvre pas au développement personnel, je ne vis pas ce live au mois de mai qui me met comme ça, où je suis flagger blastée, comme ils disent les Québécois, je suis voilà, scotchée au fond du siège, je ne suis pas sensibilisée au discours qu'on va me tenir après, et je n'arrive pas là où je suis, et donc je vais y arriver. Donc, janvier, je me fais aider par Thierry en me disant l'immobilier, c'est pas ça. Et donc là, il me dit, voilà, on décompose tout, mon ancien métier, l'immobilier, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et donc, on en revient à qu'est-ce qui me plaît dans l'enseignement, dans l'immobilier, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des gens. Dans l'immobilier, moi, j'étais là pour les accompagner à réaliser une partie de leur rêve qui est d'acheter ou de vendre une maison. Une maison, c'est pas rien dans une vie, c'est un projet de famille. C'est voilà. Et donc, on était dans l'accompagnement. Par contre, qu'est-ce qui te dérange? Ce qui me dérange, c'est que je ne crois pas trop à ce système du mandat, on va demander 15 000 euros, tout ça, enfin, ça me gêne. Pour moi, c'est pas, le prix n'est pas justifié. Et puis d'aller chercher du client, les gens n'ont pas confiance. Donc moi, j'ai besoin de travailler en confiance, donc j'ai besoin de travailler sur du long terme, j'ai besoin de créer une connexion avec les gens, ce que je faisais avec mes élèves, ce que je faisais avec mes parents d'élèves. Et là, je lui dis, écoute, je pense que j'ai envie d'un métier dans l'accompagnement, mais je ne sais pas comment et je ne sais pas... Je ne sais pas dans quelle orientation, en fait. Mmh. Et là, on a travaillé ça. Et on est arrivé au fait que ce qui m'importait le plus au monde, c'était les relations. Parce que moi aussi, j'avais vécu des relations difficiles avec mes parents, des relations difficiles aussi avec mon conjoint, des relations difficiles avec mes collègues, des relations difficiles avec la hiérarchie. Voilà, plein de relations difficiles dans toutes les sphères de ma vie. Et petit à petit, les choses, je me rendais compte qu'en travaillant sur moi, ce que j'ai fait, j'arrivais à mieux gérer certaines choses. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des, je ne vais pas dire des techniques, hein, mais qu'il y avait des points essentiels pour travailler nos relations avec les autres et pour harmoniser nos relations. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire. Si j'ai vécu tout ça, si j'ai vécu toutes ces difficultés, si j'ai failli faire un burn-out à cause de problèmes relationnels, parce que c'est ça, si j'ai vécu des difficultés avec, voilà, avec mes parents à cause de difficultés relationnelles et qu'aujourd'hui, alors tout n'est pas réglé, hein, mais je suis sur le chemin et puis on est sur le chemin toute notre vie, je me suis dit, c'est pas pour rien si j'ai vécu ça. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est d'inspirer les autres, c'est d'aider les autres à travailler ça. Et c'est pour ça que j'ai aussi appelé mon podcast Osmose, Harmonisons nos relations. Pourquoi Osmose? Moi, je suis de formation biologiste. J'ai une maîtrise de biologie, une maîtrise à l'époque au siècle dernier, hein, quand ça s'appelait encore maîtrise. Non, c'était en 2000, donc. Quand ça s'appelait encore maîtrise, maintenant ça s'appelle Master 1, je crois. Donc, j'aime bien utiliser tous ces termes de biologie. Et pourquoi l'osmose? Parce que l'osmose, c'est que tu peux dégager vers l'extérieur, influencer l'extérieur en agissant sur toi, en fait. Donc là est né Osmose. Osmose, il est né donc en 2019. Dans 2020, là, ça fait 4 semaines. 4 semaines. 5 semaines que j'ai créé le podcast. Et pourquoi j'ai créé le podcast? Parce que quand j'ai travaillé... avec mon coach, donc, je me suis dit, on est arrivé au fait que je voulais faire du coaching. Du coaching spécialisé dans tout ce qui est le relation, l'intelligence relationnelle, que moi, j'ai appelé l'écologie relationnelle. Parce que, écologie, je suis de formation biologiste, pour moi, on fait partie d'un écosystème. Et donc, l'écologie relationnelle, c'est les relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec l'extérieur, le monde. Le monde, ça peut être les événements, les maladies, mais le monde aussi, la Terre, quoi. Donc, cette écologie relationnelle. Et pourquoi j'ai créé le podcast?
Ben parce que oui, c'est possible d'avoir des projets à long terme. Oui, c'est possible d'avoir des projets qu'on ne peut pas faire tout de suite parce que moi, faire une formation de coach, c'est suivant celle qu'on choisisse entre 5 et 10 000 euros. Moi, je n'ai pas les sous. Honnêtement, je vous dis, mon compte en banque, il est vide. Donc, je ne pouvais pas faire ça. Donc, je me suis dit, comment faire pour que ce soit possible? Comment commencer à mettre en place des choses pour que ce soit possible? Donc là, on est pile dans ton lit, c'est possible. On a fait un planning sur 3 ans en disant, dans 3 ans, je passerai une certification de coach. Ok, d'accord, qu'est-ce que je vais faire avant? Je ne vais pas attendre 3 ans. Je vais faire un sommet en ligne. Je vais faire un sommet en ligne où je vais, moi qui adore apprendre et qui ai envie de transmettre aux autres, ce que moi pour l'instant je ne peux pas forcément faire, enfin à l'époque c'était l'idée que j'avais, la croyance limitante que j'avais, je vais faire un sommet en ligne avec des experts qui vont venir parler des relations sur différents aspects. Et là je me suis dit, oui, mais ok, mais moi je ne suis pas connue, personne ne me connaît. Comment je vais faire pour contacter des experts? Pourquoi ils me diraient oui à Virginie Chastel qui est enseignante, qui voilà, qu'on ne connaît pas quoi. Là, je me suis dit, ben, je vais d'abord commencer, un, par m'entraîner à faire des interviews, deux, à augmenter mon expertise sur le sujet. Et donc, j'ai créé le podcast Osmose qui interviewe monsieur, madame, tout le monde sur quels sont les événements de votre vie que vous avez vécu, comment vous avez, enfin, les épreuves, quelles clés vous avez mis en place pour les dépasser, comment vous avez géré vos relations. J'ai enregistré 33 interviews. Donc là, la cinquième diffuse là. On vous mettra les liens. C'est magnifique. Enfin, moi, je suis pas tout, parce que c'est vrai que toi aussi, tu balades bien sur les réseaux. Maintenant, je suis présente sur les réseaux. On la voit. Et donc, ben, là, alors, du coup, tu as créé tout ça. Et alors, en créant ce projet Osmose, il faut savoir donc que je fais partie, donc j'ai choisi une formation en ligne qui s'appelle l'Académie Zéro Limite, donc ouais, qui est fondée par Martin Latulippe, qui existe depuis 2012. Et à un moment donné, il m'a dit, mais là, tu vas aller interviewer des leaders du développement personnel. Sauf que moi, à ce moment-là, je n'avais pas prévu ça. Pour moi, c'était l'année prochaine pour le sommet en ligne. Et là, ben, je me suis dit, bah oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et mon coach Thierry m'a dit, mais vas-y, fonce. Donc, j'ai ce podcast où c'est que de l'audio et je rajoute en interview, donc sur ma chaîne YouTube, tous les 15 jours, une interview vidéo d'un leader du développement personnel. Donc là, j'ai déjà Thierry, mon coach, qui est en ligne, François Lemay qui est en ligne, Sonia Chardonnin, ce qui va arriver, et Martin Latulippe, j'ai fait l'enregistrement la semaine dernière, qui arrivera le 29 août. Et là, ben en fait, je commence à, du coup, ça me donne des ailes. Je me dis, ben, je développe mon expertise. Là, je fais une formation aussi avec Ludovic Leroux sur la pleine confiance. Donc, je mets en place des choses pour rendre mon rêve possible. Mais ça veut dire qu'il faut se bouger les fesses, j'ai envie de dire. Il faut oser, comme je dis. Et j'aimerais savoir aussi, en quelques phrases, ton entourage, le regard des autres, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ouais. On t'a dit t'es complètement folle, on t'a dit c'est génial, on te soutient. Le regard des autres en quelques lignes. Oui. Alors il y a des personnes à qui j'en parle pas, comme ça, voilà. C'est-à-dire mon entourage familial de mes parents, par exemple, j'en parle pas parce que eux ça les stresse. Donc ils savent que je reprends un poste dans l'éducation nationale en septembre, c'est bon, c'est stop, ça suffit. Par contre, pour le reste, alors mon conjoint, il me soutient à 2000%. Donc lui, il est derrière en me disant, de toute façon, il me dit, je sais le potentiel que tu as. Il me dit, je crois que tu n'imagines même pas tout le potentiel que tu as. Donc lui, il me soutient. De l'amour. Oui, mais même si ce n'est pas forcément toujours facile pour lui, parce que honnêtement, vivre à côté de moi, ce n'est pas toujours simple, j'avoue, parce que je suis une pile et puis j'ai 10 000 idées à la seconde, donc ce n'est pas facile toujours pour lui. Et après, le reste de l'entourage, je vais dire que j'ai plutôt plein de messages d'admiration, en fait. Déjà, quand j'ai commencé à quitter l'éducation nationale, où plein de gens m'ont dit, écoute, toi, tu en avais marre. Il dit, on entend tellement de profs qu'on en marre, mais qui font que se plaindre, en fait. Et des copines profs hein, qui m'ont dit ça, hein, qui m'ont dit, bah, écoute, chapeau, parce que je suis assez admirative de voir ce que tu fais. Et en général, l'entourage, ils sont assez soutenants et ils sont assez
Oui, je dirais admiratif. Tu parlais d'audace, en fait, de se dire, ouais, t'as l'audace de le sur le faire. bon chemin, tout simplement. Et que ben là, ça y est, moi j'appelle ça, tu crées ta voix, ça y est, tu t'exprimes et tu l'as, et en plus, ça y est, tu chemines sur ta voix, donc ben, c'est tout. J'aimerais savoir un petit truc quand même. Est-ce que tu as eu la trouille? Est-ce que tu as eu peur? Tu as eu la trouille? Alors écoute, j'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire, c'est une réponse à la normande, mon père est normand, donc voilà. Alors, mais vraiment oui et non, parce que oui, j'avais peur, mais en même temps, j'ai mis en place toutes les sécurités pour me sécuriser. C'est-à-dire que quand j'ai quitté l'éducation nationale, ben, je n'ai pas démissionné, j'ai d'abord pris une disponibilité. Et après, donc j'ai verrouillé en fait tout ce qui était le côté, on va dire, financier qui pouvait être problématique. Aussi, qui est Voilà. important aussi, il C'est faut pas se leurrer important. non plus, comme tu dis, on vit pas d'amour L'idée, et d'eau c'était pas fraîche. de se mettre en difficulté non plus. Alors après, tu as des gens qui, ils vont, ils démissionnent et bam, ils lancent leur truc. Bon. Moi, enfin voilà, je suis pas comme ça. Je verrouille les choses, c'est quand même assez sécurisé. Et après, sur l'autre côté où j'ai pas eu peur, c'est parce que la vie est tellement courte. Et je vais te dire qu'au moment où au moment où j'ai décidé de quitter l'école, là où je te disais que je sauvais ma peau, à ce moment-là, en 3 mois, j'ai perdu mon beau-frère, Patrick, en 3 mois d'un cancer foudroyant. On ne l'a pas vu venir. Il est rentré à l'hôpital. Il n'en est jamais ressorti. 3 mois après, il n'était plus là. Et enfin, tu vois, j'en ai des frissons. Ça fait 3 ans. Ben, moi aussi, moi aussi. À ce moment-là, au moment où il rentre à l'hôpital pour sa maladie, je viens juste de prendre la décision de quitter l'école dans laquelle je suis. Et là, je me suis dit, Vire, enfin, Vire, c'est mon surnom. Je me suis dit, Vire, tu as fait le bon choix de partir pour sauver ta peau. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre la vie que tu as envie parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Je veux C'est dire, on ne ça. sait pas. Peut-être que demain, je ne serai plus là. Peut-être que dans un... J'en sais rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce dont j'ai envie et je ne vais pas faire juste ce qu'il faut pour avoir une vie bien rangée de fonctionnaire où j'ai mes 2000 euros à la fin du mois. Non, c'est non. Voilà, donc j'ai décidé que moi, qu'est-ce que je veux? Je veux apporter ma contribution au monde et je vais être très honnête, je veux de l'argent pour voyager. Je veux voyager avec ma famille. Je veux les emmener en vacances sans me poser la question, est-ce que je peux partir ou pas? Voilà. Donc je veux faire un métier qui m'apporte, qui apporte aux gens. Et voilà. Et donc maintenant que j'ai trouvé mon X, comme on dit, je sais que je suis sur le bon chemin. Donc non, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Je sais que je suis au bon endroit. Je suis là où je dois être. C'est magnifique. Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui encore osent pas parce que ben, c'est il y a des peurs, il y a des craintes qui sont légitimes. Quel message tu pourrais passer en 3 secondes, comme ça, Allez, vite. 3 secondes. Si vous ne changez rien aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez regretter à la fin? Donc, ce que vous allez regretter à la fin, ben, vous pouvez le changer maintenant. Ouh, tu me donnes la chair de poule. Là, c'est ouf. Oui, mais Bon, tu c'est vois, ça ça, non plus, je l'enlèverai pas, c'est pas possible. parce que... Pas de regret, Bon, faut pas avoir de regret. c'est magnifique. Franchement, merci. Merci de Merci ce à beau toi. témoignage. Moi, je te souhaite, je t'envoie plein, plein, plein de belles ondes, plein d'amour pour la suite, pour toi. Je pense qu'on se. On Va se pas reverra. se quitter. Je Mais pense merci à toi, Céline, de on va se m'avoir donné croiser. la parole. Merci Ben, vraiment c'est à important. toi. Comme je dis, je vais à la rencontre. Moi, c'est vraiment une rencontre des personnes peut-être plus connues, moins connues, mais moi, ça peu importe. Moi, ce que j'aime, c'est voilà, cette authenticité et transmettre aux gens que ben oui, c'est possible, qu'on peut oser, que ben, comme tu dis si bien. Qu'est-ce que vous allez regretter si vous ne le faites pas? Vraiment, merci de m'avoir accordé ce temps pour toi. Je sais que tu vas manger avec ton petit garçon, alors je vais te laisser y aller parce que on arrive au moment de midi. Moi, je vous embrasse tous et toutes. À très bientôt sur une nouvelle capsule. Journée. Moi, je vous souhaite le meilleur.
à tous un bel été. On enregistre dans l'été. Virginie, merci. À très, très vite. Prends soin de toi. Merci. Et puis, on vous met tous les liens de Virginie en commentaire pour que vous puissiez découvrir cette belle âme, cette belle personne. Merci. Des bisous à tout le monde. Salut Virginie.